Mesdames et messieurs, bonjour. Une dame d'Israël, divorcée avec 5 enfants, m'appelle et me dit: Rav Cohen, je dois marier ma fille, je dois meubler une maison, je dois lui faire une soirée décente, je dois l'habiller et je n'ai rien. Un père inexistant, je suis seul à subvenir aux besoins de cette famille, comment est-ce que je vais faire? Je voudrais vous dire juste une chose. Cette jeune fille, elle veut simplement faire un foyer dans lequel résidera Dieu dans ce foyer, ni plus ni moins. Construire un foyer en plus dans le Ham Israël. Je vous en supplie et je vous demande de tout cœur, si vous avez des enfants à marier, la bracha vous viendra avec cette action. Si vous avez une refoua shelema à faire, la bracha vous viendra avec cette action. Si vous avez besoin de n'importe quelle libération d'Akadosh Baruch Hu, cette mitzvah est énorme. Que cette jeune fille, cette petite jeune fille puisse se marier de façon décente. Je vous en supplie. C'est le moment de le faire. Je vous souhaite, à vous, la bracha, la tzlacha, la rifua shelema, tout ce que vous avez besoin, le zikrout de cette mitzvah, jusqu'à 120 ans et après 120 ans, sera votre compte que vous avez créé un foyer dans le peuple d'Israël. Je vous en supplie. Faites le maximum de ce que vous pouvez pour cette jeune fille. Et Akadosh Baruch Hu vous ouvrira toutes les portes. Amen, Keni Ratzon.